Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi aussi, ça va. Merci de demander. Mesdames et messieurs, on est tous choqués. Des performances tous les jours aussi. Absolument incroyable de Lionel Messi. Oh là là, tous les jours, il va marquer quoi? Hein? Chaque match, Lionel Messi va marquer. Comme le jour va se lever. C'est ça qu'on est en train de vous expliquer? Le soleil sera en haut du ciel. Messi va tout le temps marquer. On dirait une prophétie. C'est quoi ça? Chaque match avec l'Inter de Miami, le mec n'arrête pas de marquer. Vous n'avez pas vu? Maintenant, depuis qu'il est là, Miami met des 4-0, des 5-0 à des équipes. Alors qu'avant que Messi arrive, il n'arrêtait pas de perdre. Hein? Et là-bas, il fait toutes les lois qu'il a envie de faire. Il met les buts à n'importe quel moment. Il met des pénaltys, il met des coups francs. Et encore, pénalty, il en a... Ouais, il a mis un pénalty. On sait même pas, il a mis trop de buts alors qu'il n'y a que 4 matchs. Vous vous rendez compte de cette dinguerie? Non, Lionel Messi, franchement, j'ai trop mal parlé sur toi. Mais bon, les Américains, on sait que vous et le football, ça fait 28. Voilà, ils connaissent même pas les règles. Ils savent pas jouer. Ils ont jamais eu de Coupe du Monde, ni rien du tout. Ils sont jamais allés loin dans aucune compétition. Mais là, là, leur championnat, ah là, ils vont voir comment c'est le vrai football. Lionel Messi n'arrête pas de leur marquer des buts. Et toute l'équipe s'est révélée, hein, avec du talent footballistique. C'est pas un truc de malade, ça? T'arrives dans une équipe où ils n'arrêtent pas de perdre. Quand tu arrives dans l'équipe, eh bien, ils arrivent à jongler, ils arrivent à faire des contrôles de la poitrine, ils font des centres, ils font des passes. Oh là là, franchement, Lionel Messi a rendu meilleur le football américain en l'espace de même pas une semaine. Vous vous rendez compte? Tout le monde commence à regarder les matchs la nuit. Ils ne dorment plus. Je reçois des messages. Voilà, Messi a encore marqué. Voilà, Messi a encore marqué. Voilà, Messi a encore marqué. Imagine si Messi, à chaque fois qu'il marque, il fait un enfant. Hein? Il aurait combien d'enfants? Il aurait tout un village, tout un peuple. Hein? Que ses enfants. Et là, on voit que les États-Unis, ce sont tous ses enfants. Et là, il va montrer à tout le monde comment un papa joue au football. Et tout le monde va dire, oui, papa Messi, voilà, c'est toi mon père. Messi, oui, il va remplacer toutes les cultures là-bas. Eux, ils vont, avant, ils faisaient du hip-hop. Ils vont arrêter. Ils vont tous se mettre au football pour Lionel Messi. Il y en a qui disaient, ouais, moi, je fais du rap. Tu vas voir, tous les Migos, tous les rappeurs, hein, tout Lil Wayne, Drake, tout le monde, ils vont tous se mettre au football. Ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Parce que là, Lionel Messi est parti leur montrer comment on fait pour performer dans un sport absolument monumental. Voilà, donc là, on peut dire tout ce qu'on veut. J'ai beaucoup critiqué Messi. Voilà, je me suis fait quelques ennemis. Il y en a même qui veulent ma peau. Parce que j'ai mal parlé de Lionel Messi. Et franchement, je peux comprendre. Parce qu'on ne parle pas comme ça d'un joueur qui, à chaque match, met un but. Comme le soleil se lève. Comme l'eau qui mouille. Comme le feu qui brûle. C'est ça. Donc, Messi, but. Messi, but. Messi, frappe, but. Messi, centre, but. Messi, passe décisive. Donc, c'est ça aux États-Unis, Messi. Eh ben, dis donc, bravo.